question, il faut l'enlever. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les gens vont se connecter. Ah, il y a Yuminova. Comment ça va, Morgane? Je te vois connecté. Bonsoir, Marie-Guy. Bonsoir, Cléa Ferreira. Alors, bonsoir Christelle, bonsoir Véro. Ça fait longtemps? Ça fait une semaine ou 10 jours, non? Bonjour Martine Roland. Bonsoir Lily, Divine, tout ça. Bonsoir Aurélie, Manuela, Harmonie. Alors là, ça sera Insta et là, ça sera TikTok. On met les deux. Alors j'essaye d'avoir le bon angle pour comme ça, vous voyez bien de partout. Bonsoir les anges, c'est gentil. Les anges, on vous dit bonsoir. Alors, à la Corse est là. On a le Canada, on a le Luxembourg, on a la Belgique, on a la Suisse, on a la Réunion. Je sais plus, vous êtes de partout. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Pentecôte et tout ça, que vous prenez quand même du bon temps, que vous profitez de chaque instant. Coucou Nina. Coucou Lola. Coucou Anaïs. Normandie, l'Alsace, la Moselle, la Martinique. Ah oui, c'est vrai, Shaina, j'ai oublié. Martinique. Vous êtes de... Et Chantal, Chantal, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en retard, Chantal. Chantal qui est toujours là. La Côte d'Ivoire. Ah, c'est cool. C'est vrai que la dernière fois, il y avait la Côte d'Ivoire également. Vous êtes vraiment de deux partout. Et attention, on a Dunkerque. On a Dunkerque. Ça devenait long, Sandrine. Moi, je vous manque tant que ça. Alors, je peux rien vous dire, évidemment, mais il y a vraiment plein de projets qui sont mis en œuvre et dont je ne peux pas vous parler. Donc, je suis aussi beaucoup pris par les consultations. Je fais plein plein de trucs, donc je peux pas être tout le temps en live. En plus, je suis légèrement malade, j'ai une allergie depuis quelques jours là, donc c'est pas forcément évident non plus. J'essaye un peu de me reposer et ça s'entend un peu à la voix quand même. Ah, il y a l'Algérie. Bonsoir l'Algérie. Alors, Pila, l'Auvergne. Vous êtes vraiment de partout, hein, quand même, hein. Alors, j'ai pas fait de notification de live parce que je ne savais pas encore vers quelle heure j'allais arriver et quand et si j'allais le faire parce que je suis un peu la voix cassée là. La Bretagne. Bon, alors est-ce que vous avez pris soin de vous? Alors pour ceux qui demandent, je rappelle mon livre, Le chuchotement des anges. Après, vous ne me demandez plus, hein. À chaque vidéo, on le fait. Le chuchotement des anges au tarif de 15 euros chez l'éditeur. C'est mon parcours. Enfin, mon parcours. Une toute petite partie de mon parcours de médium, que ce soit dans l'avion parce que j'étais steward, parce que je suis presque plus steward, les anecdotes dans une boutique Guerlain de Paris des Champs-Élysées avec une célébrité, ce que j'ai pu dire dans l'avion à des passagers, à des collègues, mes consultations aussi, ce que je peux dire aux gens, comment je vois les dons, etc., etc. Donc, vous l'avez en achat en direct sur Google, via la Fnac, Amazon, Decitre, Chapitre, vraiment plein de supports, vous pouvez le commander. Et après, la dédicace, c'est seulement via mon site internet. En fait, quand vous le commandez sur mon site internet nicolas-davidmedium.com, vous avez un onglet Mon livre, et là, il est au prix de 24 euros. Alors, parfois, le paiement... Enfin, le paiement, pas le paiement, le tarif bug, mais bon, si vous l'avez à 22 euros, c'est pas grave. Il est à 24 euros pour la France parce que vous payez cette pochette cartonnée La Poste qui est au tarif de 7 euros, il me semble, ou un peu plus. Il y a des frais PayPal, enfin, il y a beaucoup de frais quand même. Et après, pour l'international, il faut le commander via une facture que vous demandez par email. La procédure est expliquée dans l'onglet. Et c'est une pochette de suivi international. Et celle-là, elle est plus chère. Elle est dans les 15 euros, je crois. Elle n'est pas donnée. Donc voilà. Et après, je vous fais la dédicace. Vous envoyez votre mail avec votre date de naissance. Et moi, je me connecte aux anges. Est-ce que vous avez un petit mot à écrire pour la personne? Et voilà, j'écris. Et c'est pas du tout amitié. J'écris vraiment un message différent à chaque personne selon ce qu'on me dit pour vous.
Voilà. Donc après, vous pouvez revoir les replays sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Donc vous pouvez voir pour vous procurer le livre. Et la dédicace, c'est que via mon site. Ne vous dites pas que vous l'achetez dédicacé sur Amazon. Amazon, c'est les livres, voilà, comme ça. Il n'y aura pas mon écriture parce qu'on peut pas, c'est pas possible sur Amazon. C'est pas possible. Ensuite, concernant les usurpations, faites attention à vous parce qu'il y en a encore apparemment. Un très gros usurpateur a été dénoncé via TikTok au bout de presque un an. Moi, j'ai porté plainte, mais apparemment, moi, je risque rien parce que ce n'est pas moi qui vous demande cet argent, c'est lui ou elle, qui sait, on ne sait pas qui c'est. Et il y en a d'autres qui se mettent sur Instagram maintenant, donc faites vraiment attention à vous. Regardez le compte où il y a le plus d'abonnés et où moi j'en ai moins. En fait, si vous voyez Nicolas David Medium Paris, là sur TikTok, il y a 64 000 abonnés. Voilà, c'est quand même énorme et je dois avoir peut-être 50 abonnements ou 80 abonnements. Donc dites-vous que ça c'est logique. Par contre, quelqu'un qui a 6 000 abonnements où il est abonné à vous, c'est pour pouvoir vous envoyer des messages. Parce que quand on est connectés les uns les autres, donc chacun s'est abonné l'un à l'autre, là vous pouvez vous écrire. C'est pour ça que je m'abonne pas notamment. Parce que sinon, on pourrait s'envoyer des messages et je pourrais même pas les lire de toute façon. Donc si on vous propose ne serait-ce qu'une consultation ou que vous ayez soi-disant un message de moi, c'est pas possible. Vous êtes presque 70 000 personnes sur les réseaux sociaux maintenant. Moi, j'ai des consultations, j'ai une vie privée, enfin, je fais plein de trucs, donc dites-vous bien que c'est pas possible que je vous envoie un message, hein. Ne vous faites pas avoir, parce qu'il y a des personnes ben, qui se sont fait avoir, malheureusement, et avec des belles sommes en plus, parce qu'on m'a dit que c'était un peu des 500 euros, des 1000 euros. Après, il vous assène en vous disant qu'il va, enfin, il ou elle, on ne sait pas, va vous faire la magie noire, etc. Donc, ne croyez pas à tout ça. Et faites attention, je n'ai qu'un seul compte TikTok, un seul compte Instagram. Voilà, c'est que des comptes, ce sont que des comptes officiels. Donc faites attention à vous. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a Magali sur le chat, si on a Nathalie, si on a Cécile, je pense pas, parce qu'elle capte pas là où elle est. Merci pour tous les j'aime, pour tous les messages, tout ça. Mais après, ils le font vraiment à tous, hein, Sarah Collard. Ils font ça aux célébrités, ils font ça à des personnes aussi qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont 15 000 abonnés. C'est exprès pour vous soutirer des sous. Et donc, faites vraiment attention à vous. Les lives sont complètement gratuits. C'est vraiment quelque chose que je fais pour vous, parce que j'aime bien en plus. Et puis que de l'autre côté, ils me disent de venir vous apporter des informations. Il y a juste à être abonné sur la chaîne TikTok, sur la chaîne Insta, et puis voilà. Alors oui, sur TikTok, vous n'êtes pas forcément avec les 5 000 abonnés. Alors je sais plus si ça a changé, 5 000, 10 000, ça change tout le temps. Donc vous pouvez pas passer en live. Ce qui est bien, c'est quand j'ai un message, de pouvoir vous le donner directement, vous le délivrer, et de pas l'écrire, parce que ça prend quand même un temps infini pour vous retrouver. Respectez bien les règles, des modérateurs vous le rappelleront. On n'est pas là, ah oui, la bienveillance aussi, c'est vrai. On n'est pas là pour que tout le monde passe, c'est pas possible. D'habitude, vous êtes plus de 1 500 en direct. Là, j'ai pas annoncé exprès pour qu'on soit un peu moins. On tourne aux alentours de 600, 700 personnes là en direct en mélangeant Instagram et TikTok. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne soyez pas impatient derrière votre écran, soyez toujours dans la bienveillance, soyez dans l'accueil, ne vous agacez pas, c'est pas moi qui gère le temps, c'est eux qui me donnent les informations, si j'en ai beaucoup à leur donner, je leur en donnerai beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup, ben, il n'y en aura pas beaucoup. Il faut vraiment que ça vous corresponde en totalité dans tous les messages que je vais vous donner. Ne vous appropriez pas juste un seul truc, si je vous dis Chantal est décédée du cancer des os il y a 2 ans, c'est pas, elle s'appelle pas Didier, elle s'appelle pas Muriel. Voilà, c'est vraiment un seul prénom, hein. Essayez s'il vous plaît de pas forcément commenter pendant les lectures, pendant qu'on vous dit des choses, qu'on vous passe. Bon, alors, il faut commencer. Il y a Olivier qui est là. Ben, d'accord. Bon, les anges, on va commencer. Il y a Olivier, Olivier, Olivier. Allez. Alors, Olivier, je regarde jamais les messages. Je vous laisse et je reviens après, hein, parce que je veux pas. Je veux être le plus transparent possible avec vous. Alors, Olivier. Donc c'est un grand, il est vraiment grand. Voilà, vous faites ma taille.
presque 1,90 m, peut-être 1,87 m, je sais pas. Il y a Olivier qui est présent. Je sais pas s'il a pas trois enfants d'ailleurs, qui eux sont restés sur Terre. Olivier, un très grand, bon brun. Alors il y a que cette partie-là de la barbe. J'ai pas la grosse barbe, j'ai vraiment là. Barbe, brun. Alors il devait être dégarni là. Il a les cheveux là, il monte ça. Il a des lunettes. À quel âge à peu près? Alors je dirais dans les 60 ans. Il n'est pas parti très vieux, lui. Il a fumé avant, mais c'est pas un problème par rapport à la cigarette. Fumé avant. Olivier. Alors, il a connu une Diane. Il dit Diane. Olivier, 1,90 m, 87, barbe brun, chauve là. Là, il avait un peu des cheveux là, brun. Trois enfants, je pense. Je dirais la soixantaine, il a fumé avant. Pourquoi il est naturiste? Alors, naturiste? Il rigole. Il a un côté un peu rigolo, hein. Il a des petits yeux, il avait des petits yeux coquins. Alors, petits yeux malicieux. J'essaye de prendre un maximum d'informations et après je regarde, hein, à qui ça correspond, hein. Il faudrait que tout corresponde normalement. Des petits yeux malicieux. C'est bizarre parce que je vois le sud, mais je sais qu'il n'est pas du sud. Il n'est pas du sud de la France, je pense qu'il vient du nord. Nord, et il y a le sud. Alors, est-ce qu'il voulait aller dans le sud ou est-ce que c'était un projet qu'il avait? Déjà, c'est pas mal, on a beaucoup d'informations. Alors, est-ce que ça correspond à quelqu'un sur le live? Alors, Sève dit, c'est mon papa. Est-ce que vous êtes sûr? Alors, si vous pouvez pas passer en direct sur TikTok, il faut aller sur Instagram, vous allez sur le direct, et là, je peux vous demander en live, en direct. Olivier, le prénom. Est-ce qu'on a les modérateurs qui sont sur TikTok ou pas du tout? Et voilà, vous êtes 800 maintenant. Alors, vous, tout correspond, mais il est vivant. Ouais, c'est pas ça, Nini Rose. Ah, coucou Magali, c'est super. Alors, je vais répéter. Olivier, très grand. La barbe là, le bouc, je dirais. Brun là, mais là, chauve. Je dirais trois enfants sur Terre, la soixantaine. Il a fumé avant, mais il n'est pas mort de la cigarette. Il dit le prénom Diane. Alors, on va savoir pourquoi. Il y a petits yeux malicieux. Alors, naturiste, je sais pas si c'est pour rigoler qu'il fait ça. Alors, il monte le sud de la France. Alors, ça doit être vers Cap d'Agde, Perpignan. Mais en fait, il est du nord. Alors, ça se trouve, il est mort là-bas. Alors, est-ce que ça vous parle? Normalement, ça parle toujours. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Alors, bonjour Grégory, bonjour MJ. Est-ce que vous avez entendu? Oui, mais tout correspond sauf le prénom. Alors, est-ce qu'il peut être avec un Olivier, Sève? Si tout correspond, c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut, hein. Alors, Julie, elle est top 3 des spectateurs, je savais pas ça. Alors, pour la personne pour qui ça correspond, allez sur Instagram, s'il vous plaît, que je puisse vous demander en direct. Non, 1,87 m, 90. Je ne sais pas, mais je suis surprise. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est vous, Sève, s'il vous plaît? Alors, Séverine Ledoux. Il faut vous dépêcher, s'il vous plaît, parce que les défunts, ils restent pas ad vitam aeternam, quand même. Donc, contact défunt. C'est eux qui viennent à moi et je réponds pas à vos commentaires, je suis désolé. Alors venez sur Insta, Séverine, que je puisse vous demander en direct, on va faire le contact en direct. C'est bien, vous êtes toujours calme sur Instagram. Bah, apparemment, la dame n'est pas sûre pour le prénom. Alors, il faut garder Olivier et Diane. C'est important, ça doit relier à quelque chose en tout cas.
Alors, ne mettez pas vos messages sur les réseaux, s'il vous plaît, en disant j'aimerais avoir mon papa, il me manque, je comprends que c'est dur. C'est sympa, Muriel. C'est eux qui viennent à moi. Demandez-leur de l'autre côté de l'écran de venir passer par moi pour vous apporter un message. Mais ne l'écrivez pas parce que ça pollue le chat et après je vois pas les réponses. Donc Séverine, est-ce que vous avez basculé sur Instagram, s'il vous plaît? Vous créez vite un compte. Voilà, Magali, elle a raison, je fais pas de demande personnalisée. Vraiment, je les écoute et ils me donnent des informations pour vous. Alors, je vous répète, il y a le prénom Olivier, il y a un grand homme d'1,87 m, je pense. Je pense qu'il est grand. Enfin, il montre qu'il est grand. Après, il est très coquin parce qu'il montre des petits yeux malicieux et j'entends qu'il rigole. Donc, il est très rigolo. Il est hébreu, il a le bouc. Je pense qu'il a 3 enfants sur Terre. Il doit avoir la soixantaine d'années, peut-être max 67 ans, je dirais. Il a fumé avant, mais il fumait plus. Va savoir pourquoi il me parle du nord de la France, mais il me montre le sud vers Perpignan et Cap d'Agde puisqu'il me parle de naturisme. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est rigolo. Alors, Séverine, s'il vous plaît. C'est Nicolas David Medium Paris, hein, Instagram. Ou Nicolas David Medium, il n'y en a pas 15 normalement. Ne prenez pas avec les chiffres, s'il y a écrit 999, ça c'est des faux. Alors vous êtes où, s'il vous plaît? Séverine. Alors vous pouvez revoir les lives sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Hein. Ah, elle est là! Ah super, elle est venue. Lancer un direct. Je vais vous. Alors, soyez habillés, j'ai oublié de vous dire. Alors, retournez. Bonjour. Et vous consentez à apparaître sans vidéo aussi, hein? N'oubliez pas, c'est important. Je ne sais pas du tout comment on fait. Alors, je suis pas très. Je vais mettre ma main. Il n'y a que vous qui le voyez de toute façon. Non, tout le monde. Bon, c'est pas grave si on voit un meuble, juste montrez-moi votre tête une fois. Ouais. Alors, juste montrez-moi votre visage une fois pour que je vois à qui j'ai affaire. Vous pouvez tourner le téléphone. Ah, voilà, ok, c'est bon, je vous ai vu. Y a pas de... Si vous voulez pas rester, c'est pas obligé. Alors, Donc, qu'est-ce qui correspond pour vous? Dites-moi, c'est important. mon papa Ah. est parti jeune. Ouais. Et c'était un gros fumeur. Mmh. Je suis née dans le nord de la France. Je Ouais. suis partie il y a 10 ans dans le sud et j'habite à côté du Cap d'Agde. Et Ah. en fait, avec mon papa, on avait une blague en parlant du village naturiste. Parce que je suis pas très loin. Et c'est bizarre, mais tout correspond. Sauf le prénom. Après le Et prénom, il peut avoir connu quelqu'un ou après je peux avoir plusieurs défunts avec moi. Hein. exactement, on est 4 enfants, pas 3 enfants, mais 4 enfants. D'accord. Mais ça m'a surprise parce que j'ai été super étonnée parce que tout correspond et je pensais pas du tout que ça allait être moi, Mais il quoi. faisait des petites blagues, je pense. Parce Ah, que c'était un farceur de première. qu'il y a Mais vraiment le c'était côté quoi? malicieux qui ressort de cette personne. Le physique correspond mais vraiment à ce que vous avez décrit, quoi. Ah ouais. Et alors, généralement, je sais pas si vous me suivez dans les directs, tout ça. Quand ils viennent vous voir, c'est qu'il y a des grosses problématiques normalement chez la personne, ou alors qu'il y a un message à passer. Moi, je sais que par rapport à ce qu'il... Ah ouais. Alors, vous avez vraiment de la chance parce qu'on est beaucoup, hein. D'aller me coucher, je suis très fatiguée. Et par hasard, votre live s'est mis en route. J'ai pas compris. Ouais, en plus je l'ai Donc pas je suis. Ah annoncé, ouais. non, pas du tout. J'ai pas compris. Et Donc, donc, apparemment, vous êtes trop contrarié. Il y a beaucoup de trop de contrariété. Il y a un côté très angoissé chez vous. Ils disent laissez parler Nicolas. Ils sont gentils. Ils me connaissent. En fait, c'est moi qui dois apporter les informations. Donc, vous êtes trop angoissé. Vous répétez les informations sans arrêt dans votre tête. Et il y a aussi la perturbation au niveau financier. Il dit de ne pas vous inquiéter. Je ne sais pas comment il va vous faire venir de l'argent, mais apparemment,
Il dit que ça va aller, il faut vraiment pas s'inquiéter. Vous êtes Mais je en sais trouver. stress. Vous êtes vraiment en stress. Oui. Alors, les anges. C'est marrant, ça correspond bien quand même. D'ailleurs, il vous dit, vous aussi, d'arrêter de fumer. Vous mettez quoi? Un gilet pour sortir? C'est un gilet. Alors, c'est bizarre parce que la dernière fois, c'était un gilet Bordeaux. Et là, c'est pareil, c'est un gilet un peu rouge ou quoi, qu'on se met sur soi pour fumer dehors. J'ai de la terre et j'ai une pierre. Alors, je ne sais pas si vous avez accès à dehors directement. Il y a ça qui apparaît. Et il dit qu'il faut vous calmer sur ça. Donc, je ne sais pas si vous avez fumé ou quoi. Et il y a un animal. Qu'est-ce que c'est, ce petit chien, alors? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Ouais. Alors, il y a un petit chien. Ouais. Pour vous répondre, je suis fumeuse. Effectivement, je sors sur ma terrasse fumée. Ouais. Bon, j'ai des fleurs avec. J'ai pas spécialement un terrain, mais j'ai des fleurs. Mais après, il est vrai que je vais souvent chez des maisons. Je travaille chez des maisons, enfin, dans des maisons où Ah. il y a beaucoup de terrain. Je sors pour fumer. Et Je sais et je le sais. est-ce qu'on peut vous offrir une opportunité d'habiter un bas de villa? Parce que c'est ça qu'il montre en fait. Des grandes villas, des très très jolies villas. Donc Mais est-ce que c'est ça? il doit y avoir quelqu'un qui doit vous arranger, je ne sais pas. Il y a un truc par rapport à un déménagement, un truc qui n'est pas prévu, vous stressez et on dit t'inquiète pas. Il y a une aide extérieure et il y a un bas de villa, on montre un bas de villa, hein. Ah mais c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être un message pour ma fille, ça, pas pour moi. Écoutez, peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on montre en Ma image. fille cherche une villa. Ouais. Il y a ça. Alors, les anges. Alors, Léa. Léa, c'est qui? Est-ce que c'est une amie à votre fille? Je crois que c'est Léa. Je pense pas que ça soit Aurélia. C'est Léa, je crois, j'entends. Notez-le, hein, si c'est autour de vous. Notez-le. Léa, Léa. Alors, je sais pas si c'est Aurélia, Léa. Non, c'est Léa, les anges. Léa. C'est pas Lia. LEA, ok. Et après les anges. Pourquoi il y a un petit garçon? Est-ce que le petit garçon est déjà né ou pas du tout? Alors j'ai Vous avez une une petite petite fille, fille, je sais. j'ai une petite fille Ouais, ça je et j'ai un sais. petit fils qui est né et qui doit avoir un an à peu près. Mais alors, j'ai pas, on ne se voit pas avec ma fille. Mais il y a un petit. Oui, il y en a deux. Oui, mais il y a une Il y fille, un a un petit garçon. garçon et une petite fille. Voilà, et c'est le petit garçon en fait. Il faudra faire attention à la vue apparemment pour le petit. Et il n'y a pas de problème au niveau de la marche et tout ça parce qu'il y a de l'inquiétude, comme si on montrait les jambes et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est comme si D'accord. c'était arqué. Alors je ne sais pas si vous avez des nouvelles ou pas. Non, pas trop, pas du tout. Et c'est en fait de l'autre côté, ils veulent qu'on soit dans l'amour normalement, qu'on soit dans le bien-être même de nous, tout ça. Alors, les anges. Et vous, il y a des examens médicaux à faire et vous les faites pas. Il y a une échographie normalement aussi. Ah, et il faut faire attention, hein. Il faut vraiment le prendre en compte. Et je pense qu'il faudrait réduire vraiment la cigarette, hein, parce que. Je le sais et on n'arrête pas de. Enfin, il y a quelque chose qui me dit arrête, 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 arrête. Mais c'est. Ouais, je sais, il va falloir vraiment que je m'y mette. Et oui. Et ouais. Ah là là. Alors, du coup, les anges. Je suis quelqu'un de zen à la base, mais en ce moment je suis très stressée. J'ai eu un accident de travail, Ouais. donc beaucoup, enfin, perte financière d'un côté parce que je travaille, j'ai plusieurs, j'ai à peu près, je fais 45 heures par semaine. Ah oui, c'est Donc beaucoup, ouais. je vis seule
Je pense que les côtés financiers que mon papa vous a parlé, c'est que j'aide énormément ma première fille, Hein? qui a aussi ses problèmes financiers. Et vous lui Et faites ma à seconde manger fille. aussi? Vous lui faites la cuisine? Ouais. Les Ouais. chercher quoi. Non, c'est ouais, c'est peut-être ça qu'il a voulu mais je sais pas pourquoi je le sentais comme si qu'il essayait Ben, de je me pense que c'est donner de vraiment l'espoir. pour rassurer, pour vous dire ben, d'arrêter la cigarette, tout ça, et après de prendre conscience ben, qu'il faut faire vos examens médicaux, que vous avez quand même beaucoup de chance dans votre malheur, que vous êtes une battante, mais qu'il faut aussi penser à vous, parce qu'il y a beaucoup à penser à l'extérieur, mais pas à vous. Et normalement, et à Thierry, vous connaissez cette personne ou pas? Il y a Ah, son surnom, c'était... Et pourquoi alors, c'est par rapport à l'homme. Il y a un problème par rapport à l'homme. Alors, J'espère qu'il va parler sur ce sujet-là. vous voulez pas? Vous voulez que je dise pas? Je pense que vous Il allez faut être faire d'accord avec attention à moi. l'alcool, on me dit. Il faut, je sais Oui. pas, ouais. Pas moi, hein, mais Non, après. lui, oui, la personne, Ah, l'homme. Autour de vous, il y a quelqu'un, en tout cas, avec l'alcool. Et il faut faire je sais. attention. Et après, Je fais que ça de lui dire que c'est pas bon. ouais, il faudra faire attention quand même. Je sais. Et je pense qu'il vous dit ça parce que lui aussi a été dans ses. Comment dire? Mon papa a été aussi alcoolique à l'époque, donc je pense Ah, que. ouais, je pense qu'il veut Voilà. pas que vous recréez les mêmes problèmes, à mon avis, hein. Pas pour moi, mais je pense. Je pense que. Je sais pourquoi il me dit ça, parce que c'est vraiment quelqu'un très très proche. Et Donc. normalement, alors, est-ce que je peux tout vous dire ou pas? Vous êtes perturbé si je vous dis quelque chose par rapport au décès? J'ai pas envie, Non, mais non, non, pas, vous, je me permettrai pas. Non, parce que on dit qu'il y a une dame âgée dont on s'occupe. Apparemment, ils disent que vous occupez de quelqu'un qui est assez âgé, ou que peut-être que vous allez vous en occuper, en tout cas. Mais il y a le fait de vous récompenser par votre, vraiment par votre gentillesse, votre bravoure, tout ce que vous faites. Et c'est cette dame, elle parle plus à son fils. Elle a un problème avec son fils, à elle. Donc vous verrez si c'est pas maintenant, il y aura cette aide-là, vous allez voir. Ouais. Vous Oh, verrez. j'espère pas. J'espère pas parce que j'ai tellement. Avec le travail que je fais, je m'occupe beaucoup de personnes et effectivement, j'ai des décès par moment. Donc, voilà, non, j'ai plus envie, quoi. Enfin, Ben là, c'est ouais, une aide et il doit y avoir une dame normalement où il se parle plus avec son fils. C'est le fils qui parle plus. Donc elle est pour très l'instant, ça esseulée. ne me parle pas, mais oui, peut-être, j'espère Moi, que ça va j'adore quand arriver. on me dit ça parce que généralement après on me dit, oh là là, vous m'avez dit ça, je vous ai dit non et puis après tout est arrivé. Donc je suis content, moi, c'est bien. Ben, Il tant mieux. faut pas toujours que ça soit dans le présent, il faut que ça soit aussi pour le futur. Oui, d'accord. Ok. Bon Bon, voilà, le merci message est beaucoup. passé. Faites attention à vous, hein. Oui, je sais. Ben, je vous remercie beaucoup. En tout cas, Nicolas, vous êtes très, très. Enfin, c'est gentil. Je vous en prie, ben, c'est les Et anges, hein. je regarde vos TikTok, très apaisés des fois. Donc, Ah bon c'est ça. super. Bon, c'est super. Je vois vous voyagez souvent vers la. Comment Partout. dire, vers le côté mer. Je vais aller faire un petit tour dans le sud de la France au niveau du côté mer. C'est pour faire un rappel au père, ça. Mais parlez-lui et rigolez comme s'il était là, hein, parce que franchement, il est toujours présent, hein. C'était un clown. Ouais. Il avait des fois il sortait, on va dire, des blagues à 2 balles. Ouais. Mais ça nous faisait rire parce que tant que lui ça le faisait rire, bah, nous ça nous faisait rire, quoi. Mais c'était tout le temps, toute la journée, c'était tout le temps comme ça. Et ouais, tant mieux. Moi, je trouve ça bien, les défunts qui me font rigoler. Moi, j'aime bien. Ah ouais, J'adore. mais pas trop parce que des fois il était un peu. Il était forceur, on va dire. Mais j'aime bien. C'est Donc une c'est bonne fini. entité. En tout cas, il n'est pas réincarné. Si j'arrive à discuter avec lui, c'est qu'il n'est pas réincarné et il peut encore vous aider. Donc,
Comme je dis tout le temps, appelez-les avec l'intention d'amour, avec votre cœur, et vous allez avoir de l'aide, vous allez voir. Dites pas juste aide-moi pour ça, mais aide-moi pour quelque chose que je mets en œuvre, je sais pas, pour la banque, pour autre chose. Voilà, demandez ça. Bon, je vous embrasse. Bonne soirée, je vous en prie. Alors, je sais pas comment vous allez éteindre. Je pense qu'il faut appuyer sur une croix ou un truc comme ça. C'est peut-être qu'il faut que vous sortiez, que vous reveniez, je sais pas. Et prenez soin de vous, arrêtez de prendre soin des autres comme ça, hein. Prenez soin vraiment de vous. Ouais. Et sachez dire non aussi, hein. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Et oui, il faut dire non. Alors, vous êtes tous là. Bon, ben, c'est sûr. Il faut que vous soyez bienveillants. Alors, je vois. Alors, j'ai pas de modérateurs qui peuvent bloquer les gens sur Instagram. Mais s'il vous plaît, prenez patience. C'est quand même incroyable d'avoir des messages d'une autre dimension, de pouvoir parler à ces défunts. Donc, il faut que vous soyez vraiment dans le respect. Oui, merci Magali. Il faut que vous soyez dans le respect parce que les messages sont hyper précis. Je sais que vous êtes 1000 personnes en direct là. Mais voilà, et jugez pas les personnes, c'est important, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de Séverine. Ne lisez pas les messages, les commentaires, n'en prenez pas compte, Séverine, vous inquiétez pas. Il y a quand même beaucoup plus de bienveillance que de moquerie. Donc, merci de nous suivre, moi et les anges, et puis les autres personnes. Et merci de votre aide que vous apportez aux autres. Ouais, après, il y a des gens qui critiquent pas mal. Bon, il faut pas. C'est pas ce que j'apprécie du tout. Et d'ailleurs, ça crée des mauvaises énergies et ça crée pas des bonnes, du coup. Et j'admire, Céline, vous admirez ce que je fais. Magali, je sais pas si t'es sur Instagram en même temps. Il faudrait que je te mette peut-être modératrice. Ah, mais non, j'ai Muriel Raymond. Muriel, parce que je peux en avoir qu'une sur Insta. Comme j'ai pas Cécile qui ne capte pas dans la forêt. Muriel, est-ce que tu peux me mettre un message pour que je te mette en modératrice? Je sais pas si ça a marché. Sandrine, oui, je vous vois. De notre côté, rien, ça va. Et Magali, tu peux bloquer les gens s'ils sont vindicatifs. Alors, il y en a, c'est une première pour vous, mais il y a plein de replays sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir ce que je fais déjà. En fait, c'est des messages quand même super précis. C'est pas juste, il vous aime, il est là. Non, non, c'est quand même, on a le caractère du défunt, on a tout ça en fait. Le live, vous le revoyez sur les réels d'Instagram. Alors, Instagram, c'est là, juste après, juste à la fin, ça se remet en. Ça s'est enregistré. Et après, sur... pardon, j'ai plus de voix. Et après, sur TikTok, je les mets, je les enregistre et on les balance sur YouTube après. Je suis désolé, mais avec cette allergie, c'est compliqué pour moi. J'ai ce don depuis que je suis enfant. Ah, c'est une première pour vous. Ben, j'espère que vous avez vu. Parce que ce soir, peut-être, vous n'allez pas voir grand-chose d'autre. Tellement, je suis fatigué. Alors, je vais répondre à quelques questions. Merci pour les cadeaux, oui, merci Magali. Merci pour les cadeaux que vous envoyez. Merci pour. J'ai vraiment plus de voix. Je suis allergique aux platanes, et en plus je fais des angines, donc ça, c'est pas agréable. Ah pardon, Muriel, voilà, Muriel. Ajouté au modérateur, voilà. J'ai ajouté Muriel en modérateur. Alors, je crois qu'il n'y a pas de pouvoir sur Insta, Muriel. C'est juste que ça apparaît en modératrice. Ah, il y a Ajaccio, Ajaccio, Jessie, Vera. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a Vanina qui nous regarde. Je vous embrasse, hein, tous ceux qui me suivent et qui sont déjà venus en consultation aussi, que je vois pas forcément parce que vous êtes plus de 1100 là en direct. Ah, vous faites des allergies au pollen. Alors, les anges. Les anges de l'amour. Alors,
À Toulon, il y a aussi Toulon. Alors, il y aura, est-ce que la famille est en, est-ce que quand la famille est en colère due à la perte d'un proche, cela implique, complique la transition du défunt? Alors oui, on dit que ça empêche le défunt d'évoluer, l'âme d'évoluer. En fait, le mieux, c'est avant le départ d'avoir résolu énormément de problématiques qu'on a eues sur Terre et d'altercations qu'on a eues entre les uns et les autres. Après, c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup l'ego qui gère ça. Et alors, c'est pas le fait qui peut pas forcément monter, mais en fait, c'est important que vous soyez dans l'amour de vous-même et l'amour des uns des autres. Donc, il faut avoir beaucoup de pédagogie et il faut enlever les blocages émotionnels et l'ego surtout. Ah, bonsoir La Réunion. Donc, c'est pas agréable et c'est vrai que souvent, quand les défunts se présentent ou quand les guides aussi me donnent des messages pour les consultants et les consultants, je suis désolé, j'ai plus de voix. C'est toujours que vous soyez dans l'amour de vous-même. Hein. C'est pour ça que ça fait un moment que je suis pas venu en live. Ça fait 10 jours que je traîne ça. Là, oui, quand vous venez en consultation, je ressens la magie noire, je ressens les possessions, je ressens énormément de choses. Je peux vous dire s'il y a une problématique ou pas. J'arrive à faire la différence parce qu'ils m'ont fait vivre des choses de l'autre côté qui me permettent de pouvoir les ressentir parce que je suis pas, j'ai pas la vérité absolue, mais c'est eux qui m'apportent énormément d'informations. Oui, je vois les défunts, je les vois pas comme vous vous direz, je vois une image. Ils sont pas forcément visibles comme ça. Ils sont dans ma tête et on parle en fait. Et je ressens aussi. Dans mon corps, les comment ils sont partis ou les problématiques. Un défunt se rappelle-t-il de son départ? Oui, alors ça, oui aussi, il faut que je vous dise, j'ai beaucoup de commentaires comme ça, où vous vous dites, est-ce que le défunt qui aurait subi un viol ou qui a un handicap, est-ce que de l'autre côté, il a toujours le handicap et est-ce qu'il ressent toujours la violence? Non, dites-vous qu'une fois que vous avez quitté votre corps, que l'âme quitte son corps, elle est dans une autre dimension, une dimension dite éthérée. Donc, c'est qu'on est, une âme. Merci. Pardon. Merci. De l'énergie, voilà. Nous sommes de l'énergie, nous redevenons énergie, même si on est déjà de l'énergie ici. Hein, on est fait à 60% d'eau et il nous faut de l'électricité pour vivre. Hein. Donc, cette âme qui est dans l'autre dimension ne ressent plus la souffrance. Elle l'a mémorisée dans son âme, je vais dire, je vais l'expliquer comme ça. C'est dur avec des mots terriens, il n'y a pas vraiment de mots en fait pour expliquer. Mais elle ne le revit pas constamment. Et l'âme qui était dans un corps avec un handicap, quand elle sort de ce corps, elle est délivrée. Hein. Un petit vin blanc, peut-être pas. Oui, je vois si les personnes vont avoir des enfants, s'il y a des avortements, si les personnes ont avorté aussi, qu'elles me le disent pas, je le vois. Si elles n'ont pas fait la démarche du deuil et de la non-culpabilité, ils vont le dire en fait. J'ai salué Vanina de Corse, d'Ajaccio. C'était un petit coucou. Je vais voir beaucoup vos problématiques et vos blocages émotionnels pour vous permettre de les guérir, parce qu'il faut savoir que votre chemin de vie il est bloqué si vous prenez pas conscience de ça. C'est pas parce que vous êtes incarné sur Terre et qu'il y a des événements qui sont prévus sur ce chemin de vie qui vont arriver comme ça par magie. Non, il faut d'abord résoudre vos problématiques émotionnelles. Il faut en prendre conscience. Il faut agir en conscience avec les échanges, les interactions qu'on a avec les gens pour être dans le plus positif possible. Et plus vous allez créer du positif, plus vous allez l'attirer. Et inversement, si vous créez du négatif, vous allez attirer le négatif. Ensuite, il faut créer un objectif de vie. Comme j'explique souvent, je prends souvent cet exemple, devenir président de la République. Les hommes, ils sont à fond, les femmes, elles sont à fond. Voilà, elles ont un objectif, elles tracent leur objectif. C'est pour vous dire, eux, ils ont cette intention, ils y vont. Donc, ils font ça. Et après, vous lâchez, vous êtes dans l'accueil. Il faut lâcher prise et être dans l'accueil pour recevoir ce qui va arriver. Et recevoir ce qui va arriver sans le juger parce que vous allez attirer à vous l'énergie que vous vibrez. Si je suis en perdition, si je suis dans un mal-être, si je suis émotionnellement perturbé parce que ça va pas, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je sais pas dire non, parce que j'attends d'être valorisé par les yeux de quelqu'un d'autre, je vais attirer à moi des personnes
qui vont me le faire comprendre. Et il faut le voir comme une chance. Il faut pas se dire il est complètement barge ou elle est complètement barge. C'est juste qu'elle ne sait pas s'exprimer émotionnellement et que avec votre vibration, elle va se permettre de faire ça parce que vous lui permettez, vous, en fait, parce que vous n'avez pas guéri. Donc, une fois que vous êtes sorti, que vous avez fait cette transition de sortie de la relation, alors on dit beaucoup pervers narcissique, manipulateur, tous ces trucs-là. En fait, c'est que votre âme vous dit, mais arrête de t'infliger ça, aie confiance en toi, valorise-toi, aime-toi et rencontre enfin la personne qui t'est destinée. Arrête de t'engouffrer dans une impasse ou dans une dérive de ton chemin de vie. Ça, il faut que vous le compreniez et ensuite, il faut que vous vous dites que c'est une option, une chance, une carte chance en fait, comme on a au Monopoly, une carte chance de vous en sortir. Mais les gens vont s'accabler en disant oui, mais moi j'ai rencontré lui, il ou elle, c'est un pervers narcissique, qui m'a détruit. Non, c'est ah, il m'a détruit. Comment j'ai pu me laisser détruire? Comment je peux faire pour pas reproduire ça? Et comment je peux me faire me guérir en moi en fait? Il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est important, hein. Comme quelqu'un qui est pas agréable dans sa vie de tous les jours parce qu'il sait pas gérer sa colère, il sait pas gérer son émotionnel, parce que peut-être il est aigri, parce qu'il a pas de câlin à la maison, parce qu'il n'y a pas de rapport charnel, parce qu'ils s'entendent plus, au lieu de discuter et de chacun aller guérir de son côté, eh ben il va s'énerver dans la rue, il va pas être agréable, il va passer pour quelqu'un ben, qu'il n'est peut-être pas foncièrement à l'intérieur de lui, mais la vie va lui renvoyer ben, des problématiques et lui, au lieu de comprendre, il va encore plus s'énerver, ça va monter crescendo. Le but, c'est pas de monter crescendo, hein, c'est pas de devenir barge, c'est d'aller à votre guérison. Merci Magali, oui, c'est vrai, elle remercie pour la bienveillance sur le live. Merci beaucoup. Excusez-moi, je bois. Est-ce qu'on peut devenir médium? Alors, devenir médium, vous pensez que c'est des super pouvoirs à chaque fois. On peut le devenir par des accidents notamment. Vous avez Florence Imbert qui a failli mourir par la plongée. Et donc elle est partie de l'autre côté. Et quand elle est revenue, et bien, elle a déclenché ces capacités-là. Pas tout le monde peut devenir médium et ce n'est pas nécessaire sur un chemin de vie. Il faut comprendre que la médiumité, c'est le canal, on est relié à l'autre monde et on peut parler avec les défunts et les entités. Et la voyance, c'est voir le futur. Après, il y en a qui sont très bons seulement en cartomancie, lire les cartes ou les oracles, ou les osselets, ou le marc de café, ou autre chose. Il y en a qui sont doués dans ça, il y en a qui ont juste une intuition, il y en a qui l'ont pas du tout. Mais je veux dire, c'est pas, on n'est pas forcément d'avoir le panel de connexion. Moi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de capacités. Il y a la guérison, il y a le, enfin, ils m'ont fait guérir avant, maintenant plus trop. Il y a la voyance, la clairaudience, enfin la clairsentience, plein de trucs. Oui, voilà, tout dépend. Voilà la raison, la personne qui nous dit Sophie Loujoie. Tout dépend de l'incarnation en fait qu'on a. Si c'est utile sur votre chemin de vie d'avoir des intuitions, vous aurez des intuitions. Si c'est votre destinée d'être médium, d'être clairvoyant et d'aider les autres, ça peut être une destinée. Alors, il y en a pour qui c'est une destinée. Aussi pour les tester dans leur ego, hein, parce qu'il y en a qui s'en servent pour utiliser les gens et les manipuler, comme on peut voir. Alors, j'utilise ce terme-là parce qu'il ressort beaucoup. C'est pas pour les stigmatiser, mais il y a certains marabouts, comme dans certains voyants, comme dans certains cartomanciens, etc., etc. Il y a toujours des bons, il y a toujours des mauvais. Il y en a certains qui utilisent pour manipuler, pour vous soutirer des 6 000 euros, des 10 000 euros, pour vous enlever des âmes, etc. Donc, ne croyez pas en ça. Il y a des marabouts qui sont très bons, il y a des clairvoyants qui sont très bons, enfin voilà. Mais il faut que ça soit tout de même raisonnable. Et on ne vient pas vous proposer des consultations aussi, faites attention à vous. Pour les consultations, je dis jamais, je fais jamais ma promo. C'est vraiment pour vous aider, pour répondre à vos questions sur les lives. Sandrine qui demande les masterclass, c'est pour quand? Mais Sandrine, il faudrait que j'ai 10 assistants pour pouvoir faire tout ce que je fais. Et j'ai pas 10 assistants. J'aimerais bien, d'ailleurs, pas en avoir 10, mais pouvoir avoir des personnes qui me facilitent le travail. Mais c'est moi qui crée ça et c'est avec mes mots. Donc, je veux que ça vienne de moi quand même.
Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. C'est fini. Alors, Missy et Tho, je ne vais pas répondre à... Je ne vais pas répondre à ce commentaire. Mon Dieu. Alors, je suis fatigué. Vous lirez sur Instagram, il y a une personne qui a posé une question. Comme quoi son voisin pouvait lire dans les lignes des fesses. Je pense que c'est pour vous attirer dans un traquenard, à mon avis. Ah oui, les consultations privées, je n'en parle pas lors des lives. Vous verrez sur Internet, vous tapez dans la barre de recherche Nicolas David Medium, vous avez toutes les informations. Ou même dans ma bio, dans partout, c'est écrit partout, donc je ne vais pas faire ma promotion. Et j'en ai pas besoin, surtout. Alors, oui, je me protège avant mes séances, Bertrand. Ça me protéger, je fais des prières. Moi, je suis très croyant en Dieu, en Jésus, en Marie, aux saints, aux saintes. Et du coup, je leur fais une prière, même à l'archange Michael. Et voilà comment je me protège. Et je leur demande de bien m'assister lors des connexions pour avoir des bons messages. Comment ça, on veut savoir, Nicolas? Ben, ça, je l'ai dit. Ah, coucou Nathalie, j'avais pas vu que tu étais là. Il y en a, ils sont spéciaux. Après, je pense qu'on peut lire dans tout. Tant qu'on a l'intuition, on peut faire croire qu'on lit dans une pomme, qu'on lit dans du parquet. En fait, quand on a l'intuition, on lit partout, hein. Alors, vous me posez aussi souvent cette question, comment savoir quel défunt me protège? Est-ce que c'est vraiment important de savoir quel défunt vous protège tant que vous êtes protégé? Comme savoir vos guides, les prénoms des guides. Alors, parfois on me demande quel est le prénom de mon guide. On me le dit pas, moi je connais pas les prénoms de tous mes guides. Et alors, c'est bien de le demander de temps en temps si vous consultez quelques voyants et si vous voyez que le prénom se recoupe, là, vous pouvez vous dire qu'il y a quand même beaucoup de similitudes et que ça serait le prénom du guide. Mais par contre, moi, j'aime pas trop dire ça parce que on peut pas le vérifier. Je suis médium, mais j'aime bien vérifier les choses. J'aime bien qu'on m'atteste si c'est avéré. Je pourrais vous dire, je l'avais déjà dit ça dans une ancienne vidéo. Si je vous dis que vous avez été Cléopâtre, il me dit là bon, et que je vous raconte toute une histoire sur Cléopâtre, bon, c'est bien gentil, mais ça va rien vous apporter déjà. Ça peut, oui, résoudre des nœuds karmiques ou autres, mais je veux dire, si vous le ressentez pas et qu'on peut pas le prouver, ça sert à rien. C'est pas utile. Vous faites pas avoir sur ça, comme il y en a qui écrivent des commentaires, j'ai perdu mon mari. Je dis une bêtise, Didier, qui est né le 3 mars 56, est-ce qu'il a un message pour moi? Il y a 67 000 commentaires. Moi, je me vois pas prendre le commentaire et dire oui, il pense à vous, il vous aime, il vous regarde de là-haut. Tout le monde peut dire ça. Si par contre, on me donne un message précis et qu'on me dit mais il vous voit, il me dit que vous êtes ébéniste, mais qu'il n'y a rien qui me permet de dire qu'il est ébéniste, là, d'accord. Mais vous faites pas berner par des personnes qui vont vous dire oui, il vous aime, il vous regarde. Ou des trucs bateaux. Il faut pas que ça soit bateau, hein. Il faut que ça soit vraiment. Alors même si c'est qu'un seul truc précis, mais il faut que ça soit visé. Après, soyez pas non plus dans le truc où il faut tout savoir. On sait pas tout, hein, dans la voyance et dans la médiumnité. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Il est que 21 h 56, hein. C'est pas très tard, hein. Quelle est la différence entre un guide et un ange? Ben, ils ont tous deux l'option, on va dire, protection. Et selon le guide que vous avez, il change au cours du temps. Alors l'ange, il change un peu moins souvent. Et les guides sont comme des formateurs, en fait. Ah oui, est-ce que les personnes qui se suicident sont en paix? Ori Lav. Ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Les personnes qui se suicident, ils sont dans... Alors, pas toutes, mais moi, celles que j'ai eues en consultation, parce que j'ai eu des personnes qui avaient des messages et qui étaient des personnes qui se sont donné la mort. J'explique qu'ils me parlent à travers une vitre transparente. Je peux pas les avoir en direct. Ils sont dans une pièce lumineuse et ils me font comprendre qu'ils sont en attente. Alors là, pour les 4 personnes que j'ai eues en consultation il y a longtemps, c'était Luxembourg et Belgique, enfin il y a longtemps, il y a un an, les personnes suicidées, c'était 30 ans à peu près, 30 années terrestres. Donc
Ça ne veut pas dire que pour tout le monde c'est pareil. Il y a des personnes qui se suicident qui sont automatiquement réincarnées, hein. Ils ne sont pas tous dans l'attente. Les blocages, vous avez des hypnothérapeutes, hein, qui peuvent vous aider énormément. Ben, je ne sais pas, Virginie, peut-être que je suis un ange. J'avais parlé des religions. Ghislaine, c'est quoi le prénom? Ghislaine, Ghislaine. La religion, c'est l'amour. Ben, ça dépend, Whitney. Si vous me dites la personne qui s'est suicidée, qui s'est pas suicidée mais qui s'est laissée mourir, est-ce que c'est pareil de l'autre côté? C'est pas forcément la même chose. Ça dépend énormément du contexte. Il faut prendre vraiment beaucoup de. Enfin, le contexte va vous permettre de pas de juger parce qu'il juge pas de l'autre côté, mais on va savoir un peu comment ça s'est passé. Parce que quelqu'un qui choisit de ne pas se faire soigner parce qu'il a un cancer, c'est pas forcément un suicide, hein. Alors Fanny, moi j'ai pas un bon hypnothérapeute à vous conseiller dans le Var. Par contre, j'en connais une qui est à Auteuil-Paris-16 et qui fait aussi de la visio, qui s'appelle Cécile Andreu, qui est souvent sur les chats. Il y a Gabriel Pimenta, qui est hypnothérapeute, qui est entre Barcelone, Perpignan et Paris, et il fait aussi de la visio. Et il y a Florence Briffaut, qui est à Cap-Breton, qui est hypnothérapeute, fait la PNL et tout ça. Vous avez mes liens sur mon site internet dans l'onglet liens. Vous allez voir. Et ça, je peux parler de ces personnes-là parce que je les connais et je sais qu'elles sont bonnes et renommées. Non, c'est pas tout simplement une mission de vie. Parce que tout le monde demain peut choisir cette option. C'est un choix. Le suicide de certaines personnes. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Est-ce que deux âmes peuvent échanger de corps après accident en commun? Oui. C'est déjà arrivé d'ailleurs. J'ai déjà vu un reportage sur ça et oui, tout est faisable en fait. Il y a tellement d'options, de l'autre côté, tout est faisable. Ah, Manuela, elle connaît Florence Briffaut de Cap-Breton. Alors, oui, l'hypnose, c'est fiable. Alors, c'est pas de l'hypnose, c'est de l'hypnothérapie. C'est aller travailler en profondeur dans l'inconscient pour déverrouiller des blocages émotionnels qui vous pourrissent un peu vos comportements habituels, qu'il faudrait pas que vous ayez, que vous avez déclenché suite à une problématique. Avec un bon hypnothérapeute ou une, c'est vraiment incroyable. Je suis Capricorne, ascendant Verseau, Bélier, Poisson, j'ai trois ascendants. Non, le film Ghost, ça reste un film, Aline. Comment je le juge, le film Ghost? Ça existe, hein, le fait de prendre possession du corps et de parler, que le défunt parle à travers le corps, mais tout le temps à côté de soi, toute la journée, et dire autant de phrases, non, c'est un film. Hein. Le MDR, oui, ça marche, mais ça va pas en profondeur, il faut faire plusieurs choses. Alors ça, j'avais expliqué pour les défunts qui sont réincarnés. On n'a pas accès, je le sens, on n'a pas accès à eux directement, mais à leur énergie. Et parfois, on a accès à certains messages qu'ils ont laissés. C'est comme si c'était un vocal qui reste en suspens. Et une fois qu'on va se connecter à ce vocal, on a des informations. En fait. Alors, Chris, j'ai été bloqué. Pourquoi? Ben, ça dépend. Il y a plein de raisons pour être bloqué, hein. Oui, il y a une hiérarchie dans les guides et les anges, Delphine. Il y a plein de livres à ce sujet, d'ailleurs. Bon, j'ai pas tout lu, moi. Alors, flamme jumelle, c'est un peu comme les âmes sœurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout, parce que les âmes sœurs sont. Il y a des âmes frères aussi. On n'est pas obligé de vivre le fait d'être âme sœur et de le vivre de façon terrestre. On peut juste se reconnaître. Être dans une entraide ou pas. On peut s'être vu à un moment donné
un moment charnière de notre vie et se retrouver 40 ans après. Voilà, il y a vraiment plein plein d'options aussi sur les âmes sœurs, les âmes frères, les flammes jumelles, les tout ce que vous voulez. Alors si nos défunts sont réincarnés, on les reverra, pardon, plus jamais du coup. Mais ça, en fait, si vous voulez, quand vous êtes décorporé, quand vous sortez de votre corps, ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment aucune importance. Vous retrouvez le monde d'où vous venez et en fait, vous allez savoir qu'ils ont été réincarnés, mais c'est une fraction de seconde de l'autre côté. Ce n'est pas nos années terrestres à nous. La musique derrière moi? Meditative Mind. Et il y a plusieurs Hertz, 963 Hertz, 852, 639. Ça active la glande pinéale, apparemment. Mais j'aime bien. Âme frère, c'est justement quand on est frère d'âme, quand on est la même âme, et qu'on est vraiment similaire, mais qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affectif, en fait. C'est ça, l'âme frère. Ça m'arrive de temps en temps de le dire. Oui, c'est possible qu'une âme vous empêche de vendre votre maison. Ça existe. Vous pouvez croiser des gens de vie antérieure, bien sûr. L'âme sœur, normalement, c'est une reconnaissance, mais c'est une fusion affective. Que font les défunts au quotidien? Alors, ils ont comme des stages, ils sont pas tous au même endroit. Je vous ai fait une vidéo sur TikTok au sujet des fantômes et des maisons hantées. Vous pouvez aller la voir. Deb, pour savoir si vous avez un don médiumnique de médium, bon, c'est facile en fait. Vous l'avez. Enfin, c'est comme ça. Vous ressentez les âmes. Vous pouvez dire des choses aux gens qui vont arriver. Voilà, vous êtes en osmose avec les énergies. Donc, c'est pas réellement une question qu'on se pose puisqu'on l'a. Donc on se pose pas trop la question quand même. Eh ben bonne fête, Célana. Enfin, bon anniversaire pour demain. Mais normalement, ça porte un peu malheur de dire l'anniversaire le soir, non? Non, la télépathie, c'est pas forcément un don. C'est une capacité, mais qu'on aurait tous. Alors, quand un défunt arrive à livrer un message à un vivant, est-ce que ça le fait évoluer? Alors, généralement, les connexions avec les défunts, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous faire prendre de conscience des problématiques que vous avez. Ça m'est arrivé qu'une fois, mais la dame venait de partir, en plus, venait de décéder il y avait quelques jours, où on va apporter un message d'amour, de dire je t'aime énormément. Enfin, ils étaient vraiment serrés, très, très collés, serrés. Il n'y avait que ça. Donc, c'est pas une cabine téléphonique, les contacts défunts où on se dit, ben, t'es, moi, j'aimerais bien parler à maman, j'espère qu'elle va m'apporter un message. Si vous vous êtes bien entendu avec votre mère, qu'elle, elle fait son cheminement de l'autre côté, que vous le faites bien aussi ici, il n'y a pas votre mère qui va forcément venir vous dire, ben, je t'aime, c'est bien. Ça peut arriver, mais c'est vraiment pas une cabine téléphonique parce qu'on est vraiment dans l'ère d'Amazon où les gens pensent qu'ils peuvent commander tout et n'importe quoi. C'est vraiment, venez voir un médium, on va voir qui se présente et surtout ce que ça va vous apporter sur votre chemin de vie. C'est pas automatique, hein. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai vraiment plus de voix, je suis hyper fatigué. J'aurais fait un contact, super. D'habitude, j'en fais trois ou quatre au moins. Là, je suis vraiment fatigué. Je lis pas. Je l'ai dit pour si on se retrouvait là-haut, hein. Oui, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes, des hypnothérapeutes qui peuvent vous aider pour évoluer ici. C'est très important, hein. Il faut que vous puissiez aller à votre rencontre et que vous puissiez guérir de vos blocages émotionnels. Ben, j'en ai fait un de message défunt. Elle a eu de la chance, Séverine. Parce qu'aujourd'hui, je suis fatigué et j'ai plus de voix.
Sinon, j'en fais maximum le que j'ai fait, c'était 5. Et ça m'avait beaucoup fatigué quand même. Mais j'essaierai de revenir début de semaine prochaine pour... J'essaierai de venir 2 fois la semaine prochaine. Bon, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour tout ça, merci d'avoir posé vos questions. Vous étiez plus près de 1000 personnes en direct. Pardon. Je vous en prie et n'oubliez pas, ce qui est important, c'est de vous aimer. C'est important. J'essaye de répondre en vidéo à vos commentaires sur TikTok. Bon, je peux pas le faire à tout le monde, hein. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venu, donc je vous fais un petit coucou. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Et je vous dis à très vite. Restez connectés. J'essaierai de l'annoncer cette fois quand je viens. Je pense que ça sera lundi ou mardi. Je vous souhaite une belle fin de soirée. C'est 10h10 déjà. Et à très vite. Prenez soin vraiment de vous. Je vous embrasse. Et parlez à vos proches avec l'intention du cœur, hein. Parlez-leur. Il n'y a pas que par moi ou par certains médiums. Vous pouvez leur parler directement. Même si vous les entendez pas, vous aurez des signes, hein. N'oubliez pas. Je vous embrasse.